3, 2, 1. Juhu! Yeah! 21. Tervetuloa, hyvä vuosi. Bonne année à tous. Bon, mais c'est un peu spécial quand même de passer la nouvelle année à bord d'un bateau, surtout quand ça fait 53 jours que t'es en mer. Et ouais. Ça ne fait aucun doute, le Vendée Globe est une épreuve du temps long. Tellement long qu'il voit ses concurrents passer d'une année à une autre. Le Vendée Globe entre alors dans la période des vœux. Salut les amis, on va s'envoyer, on est en pleine tempête là. Ouhouhou. Allez, bonne année à tous. Ça devrait pas être compliqué pour qu'elle soit mieux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2021? Plus de virus. Une arrivée au sable avec un peu de chaleur humaine quand même. Avec un peu de monde sur les quais. Bonne année 2021 avec tout ce dont vous rêvez. Moi pour moi c'est chaleur, sécher, douche et bonheur. Cap sur 2021 à pleine vitesse. En espérant que la planète se remette sur son axe rapidement. Bon la nototé. Bonne année. Ouais. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année. Moi, je vais aller faire la sieste. Et pour Kojiro Shiraishi, qui ne fait jamais rien comme tout le monde, le premier de l'an ressemblait un peu à un jour sans fin. Allez. もうちょっとでね、日付変更線越えちゃうんで、実は、僕は2日間、大晦日をする羽目になるんですけども、まあ。Voilà qui mérite une explication. Kojiro Shiraishi est entré en 2021 au moment où il franchissait l'anti-méridien, le 180e méridien, directement opposé au méridien de Greenwich. Juste avant ce méridien, le fuseau horaire est à plus 12 heures par rapport à celui de Greenwich. Juste après, il est à moins 12 heures. Ce qui a permis aux Japonais de vivre deux fois le 1er janvier. Comme pour le reste du monde, la nouvelle année est un repère temporel important pour l'ensemble de la flotte du Vendée Globe. Cependant, elle occupe beaucoup moins les esprits des concurrents que la prochaine marque du parcours mentionnée dans tous les propos. Yeah, yeah, it's time to pass the horn. Kind of like one day and a half. 600 miles to go. Also have to eat and recharge the batteries. My batteries. Ça fait 48 heures que j'ai entre 25 et 49. Ça se mérite le Cap Horn. Ça se mérite cette fin du Pacifique, cette fin du vers du Sud. Et voilà, je continue un petit mal de chemin, comme on dit. Pour aller chercher le Cap Horn. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, je fais pas beaucoup le nez dehors du coup. Hein. Voilà, c'est un peu de stress quand même à bord parce qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin du Cap Horn, mais il faut quand même faire gaffe à son matériel. Je suis quand même bien content d'en finir et d'entamer cette remontée de l'Atlantique. Alors la course est encore longue. Hein. Le Vendée Globe n'est pas fini avec ce Cap Horn, mais quand même, c'est un point de passage important dans la tête. Le Cap Horn, dernier des trois caps que les concurrents du Vendée Globe doivent laisser à bâbord. Le seul aussi, auquel ils peuvent faire face en s'en approchant au plus près, si les flous sont bien disposés. Tous les 4 ans, depuis 3 décennies, le Cap Horn voit défiler une cohorte de fiers marins, auxquels ils délivrent leur bon de sortie des mers du Sud. Yahoo!
Perfect. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, et c'est surtout un mythe de l'épopée maritime. Un bout du monde de légende, où quelques 7000 naufrages auraient été recensés. Le Cap Horn a une réputation infamante, on va dire, hein, qui date des grands voiliers, et qui n'est pas usurpée. Pourquoi ? Ben parce que le Cap Horn, il marque la pointe de l'Amérique du Sud, et on a une espèce de goulet d'étranglement entre la pointe de l'Amérique du Sud, là, qui descend là, vers le sud, et puis la péninsule antarctique qui remonte. Et les dépressions sont un peu coincées là-dedans, et donc vont souvent se renforcer, se cumuler les unes aux autres, et la mer va devenir très difficile. À 80 000 dans son sud, je ne l'ai pas vu, mais on l'a bien passé. Dans une mer démontée avec 45 nœuds de vent et 8 mètres de creux. Parfait quoi, un vrai Cap Horn. Yes, en tête du bord des globes, passage du Cap Horn, la longitude. Le 2 janvier 2021 à 14h TU à bord de Maître Coq. Il aura fallu 55 jours à Yannick Bestaven pour atteindre la longitude du Cap Horn. À une quinzaine d'heures d'intervalle, c'est au tour de son plus proche poursuivant de contourner le célèbre rocher. Et Charlie Dalin a fêté ça à sa manière. J'ai fêté ça en renvoyant de la toile. C'est un moment assez fort hein, pour moi de franchir ce premier Cap Horn. Et voilà, c'est le troisième cap. Donc j'avais passé les deux premiers en tête. Je m'étais dit, bon, allez, jamais 203, t'auras le Cap Horn aussi. Mais bon, le destin aura voulu autrement. Et voilà, c'est une nouvelle phase de course qui s'ouvre à moi maintenant. C'est Jean-Yves Bernaud qui nous dit toujours que, ouais, il faut changer de mode une fois que le Cap Horn est passé. Donc voilà, je vais pouvoir vivre ça, essayer de comprendre ce qu'il entend par cette formule. Pendant tout l'océan austral, on a quand même une mentalité de résistance. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire avancer le bateau, mais de ne rien casser. Et dans l'Atlantique Sud, d'un seul coup, on va devenir des mentalités d'attaque. On a des phénomènes beaucoup plus nombreux, beaucoup plus aléatoires, et qu'il faut négocier sur des temps courts. La course est encore longue, donc tout reste à faire. Il reste 7000 milles de course, donc il y a encore plein de coups à jouer. Charlie Dalin est normand. Il est né au Havre en 1984, mais il est un pur produit du pôle Finistère course au large. Entre 2014 et 2018, il est monté 5 fois consécutivement sur le podium de la solitaire du Figaro. Sa victoire en Imoca sur la Transat Jacques Vabre 2019 l'a rangé de fait dans la colonne des favoris du Vendée Globe. Qu'on se le dise, Charlie Dalin ne fait pas le voyage pour rien. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement attiré par la compétition, la confrontation. C'est ça qui me fait vibrer. Et j'y vais pour ça aussi, quoi, pour la régate, quoi, pour la régate planétaire. Et si tout se passe bien, et si la réussite est là, et si je navigue bien, si tout se passe bien avec le bateau, pourquoi pas aller chercher cette victoire. Charlie assume son statut de possible vainqueur. Mais sur ce Vendée Globe, où beaucoup de pronostics ont été déjoués, les propos qu'il tenait avant le départ montrent si besoin que Charlie ne fait pas le malin. Je pense qu'il faut rester humble devant ce monument, quoi, en plus auquel j'ai jamais participé, contrairement à beaucoup de favoris. Donc voilà, j'ai sûrement un petit manque d'expérience par rapport à quelques-uns d'entre eux. Donc, est-ce que je pars désavantagé? Je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Est-ce que c'est un avantage? Au contraire, de ne pas savoir exactement comment ça se passe, peut-être, je sais pas. Architecte de formation, Charlie Dalin s'est impliqué sans relâche dans la conception, dans la construction et dans le développement de son foiler dernier cri. Un atout à ne pas négliger dans ce qui peut participer du bonheur suprême.
c'est une course qui est, voilà, il faut un alignement de planète, je pense, parfait pour la remporter. Et aujourd'hui, personne ne peut dire qui aura cet alignement. Donc, on verra. Je touche du bois, il n'y a pas de raison. Le skipper du bateau à Pivia a occupé la tête de la course pendant 21 jours. Depuis le 16 décembre dernier, il doit s'accommoder d'un foil fragilisé. De leader, il s'est mué en chasseur. Mais la ténacité du régatier faisant foi, il ne lâchera rien. Yannick Bestaven et Charlie Dalin n'avaient jamais doublé le Cap Horn, tout comme Thomas Ruyant, pointé troisième, suivi de Damien Seguin. Eh ben nous y voilà les amis! Mon premier Cap Horn! Un truc de fou quoi! Premier Cap Horn, quatrième du Vendée Globe! Voilà! J'ai rien fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en y repensant. Et... il y a eu tellement d'efforts pour en arriver là, c'est tellement dur. Là, il fait pas beau, il fait froid, mais voilà, j'y suis arrivé, c'est top. Allez. Ah, il bulle pas. Alors, un peu pour le bateau, un peu pour l'océan, et un petit coup pour moi aussi. Ah, c'est cool. On n'insistera jamais assez sur la performance épatante de Damien Seguin. Et sur celle non moins remarquable de Benjamin Dutreux, tous deux aux commandes de bateaux anciens à dérive classique et qui tiennent la dragée haute au foiler. Dans 40 nœuds de vent et 5 à 6 mètres de creux, Benjamin Dutreux prend lui aussi du galop. On est le 4 janvier 2021. On est officiellement capornier. On a passé la longitude du Cap Horn. Ça c'est une bonne nouvelle. Les conditions sont un peu rudes encore, donc voilà, et c'est pour ça aussi que je suis pas passé tout près du Cap Horn pour pouvoir avoir des conditions un peu moins fortes. Mais c'est quand même assez solide. Voilà, du coup je l'aurais pas vu, mais en tout cas il est passé. Comme Benjamin Dutreux, les poursuivants privilégient une route moins exposée, mais le secteur reste très mal pavé. Il y a une ambiance de fin du monde ici. Il y a de la mer, elle commence à être de plus en plus formée. Du vent fort. 7, 8, 9. Et qui va faire que forcir dans la nuit. Ça va être ça le passage du Cap Horn. Isabelle Jochke est dans le dur. En quelques jours, elle a accumulé les gros pépins. Dernière en date, une avarie sur sa quille qui ne peut plus basculer. D'autres aussi ont dû s'employer sans ménagement. Et un gros vrac là. Ça fait une heure que j'essaie de remettre le bateau, j'étais face au vent. J'ai deux voiles à l'eau, j'ai récupéré une. Et là j'en ai une deuxième en cours. Je sais pas comment faire, j'arrive pas à la soulever, elle est trop lourde. Il y a 40 nœuds, c'est vraiment la merde. Voilà. I did a little time to go away from the continental shelf to avoid any breaking waves. I, damn it, can't put my mainsail. I damaged and I took a reef. Another slap in my face a bit, but it puts up my fighting spirit. I will never give up. Sur ce vent des globes de l'inattendu, on notera que les 5 premiers à atteindre la pointe extrême des Amériques sont tous des primo caporniers. Un événement inédit dans l'histoire de la course. Tout aussi inédit, en un peu plus d'une demi-journée, de Benjamin Dutreux à Isabelle Jochke, 7 concurrents ont enjambé la longitude du Cap Horn. On vient de passer le Cap Horn. Et voilà, c'est la ligne qui est là. Clac, clac, clac. Ça, c'est fait, quoi. Et c'était pas gagné d'avant, je peux vous dire. Cette année, pour son 7e passage, Jean Le Cam n'a pas vu le fameux cap, avec lequel il entretient pourtant une relation intime. Jack, Jack, Jack. Et on croit rêver. On est au Cap Horn. Et l'hélicoptère qui arrive. Et voilà. Et voilà, mon duel a passé le Cap Horn en first position. Et ça, il n'y a personne qui pourra nous l'enlever.
Jean Le Cam et le Cap Horn sont des amis de 40 ans qui se croisent régulièrement. Une longue histoire de moments partagés et d'émotions en tout genre. Ce coup-là, ça va, c'est bon. Voilà, un endroit chargé d'histoire. Clac, clac, clac. Merde. Clac, clac, clac. Ah, elle marche plus. Ah, elle marche. Voilà. Et voilà. Ben, je suis content d'être là et puis je suis content que vous m'ayez donné un coup de main et j'espère que vous êtes content d'être avec moi. Parce que vous voyez bien que ensemble on arrive à faire des trucs quand même. Merci à tous. Clac, clac, clac. Lors du Vendée Globe 2008-2009, la rencontre a bien failli ne pas avoir lieu. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut que je regarde si j'arrive à voir Jean. Victime d'un chavirage, 200 milles dans l'ouest du Horn, Jean Le Cam est recueilli par Vincent Rioux, skipper de PRB. Tiens, tiens. Voilà, ça tourne. Et voilà le Cap Horn, le Cap Horn, le Cap Horn, le Cap Horn. Le Cap Horn, voilà. Et là, ils sont en baisse un peu ici, on voit rien. Voilà. L'histoire de Vincent et Jean au Cap Horn. Voyons là. Capo des Horneaux. Vu non pas de vrais matériaux mais de PRB, et ben vaut mieux ça que de rien voir du tout, je vais vous dire. Parce que j'aurais pu ne rien voir. Alors, après avoir arpenté le globe sous toutes ses latitudes, après avoir bravé toutes les tempêtes, qu'est-ce qui pousse Jean Le Cam à toujours naviguer? La course de bateau à voile, c'est fait. C'est ma vie quand même. Donc après, voilà. Pourquoi je suis arrivé là? C'est au fur et à mesure. Et puis, quelque part, j'en sais rien. À l'opposé de Jean Le Cam et de sa formidable expérience, Clarisse Kremer commence tout juste à user ses fonds de cirée sur les bancs de la grande école du Vendée Globe. C'est un baptême du feu pour Clarisse, là. J'ai jamais été dans des conditions pareilles. J'ai entre 35 et 45 nœuds, mais avec de la bonne mer. Et... c'est pas du 45 nœuds de vent chaud, quoi. C'est du 45 nœuds bien trempé. Je fais pas la maline, j'avoue, là, je suis pas fan du tout. Mais bon. C'est dans le grain qu'on reconnaît le marin, il paraît. Voilà, j'apprends là, c'est apprentissage en temps réel, je la joue hyper hyper safe, mais j'ai vraiment pas envie de casser mon bateau. Comme 15 autres concurrents toujours en course, Clarisse Kremer est novice, mais elle trouve très vite sa place. Diplômée d'HEC en 2013, sa trajectoire ne la prédestinait pas à la course au large. Milieu qu'elle découvre en 2015 et dans lequel elle s'engage 2 ans plus tard. Et en 2020, bien qu'elle n'ait jamais passé plus de 2 semaines seule en mer, Clarisse prend le départ du Vendée Globe. Alors, si cette jeune femme pressée et enjouée doit se définir elle-même, que nous dit-elle? Ce qui me définit, c'est hyper dur. On va dire une soif d'apprendre, ça c'est, je pense, quelque chose qui me définit, qui me motive au quotidien. Et après, aussi une envie de lâcher prise. Du coup, quand on me demande pourquoi je fais tout ça, il n'y a pas une réponse précise parce que j'ai un peu lâché prise sur l'idée de toujours vouloir donner du sens, sur pourquoi, comment, où, et juste d'en profiter quand j'ai l'impression d'être à ma place. Et voilà, donc ça va ou pas comme définition. Au sein du team Banque Populaire, Clarisse Kremer a emboîté le sillage d'Armel Lecléache, dernier vainqueur en date du Vendée Globe. Si ça n'est pas vraiment un passage de témoin, ça y ressemble. Et peut-être aussi que ça ajoute un peu de pression. L'objectif depuis le début, c'est essentiellement de terminer le Vendée Globe, ce qui est déjà un énorme objectif. Je ne me sens pas spécialement sous pression de quelque façon que ce soit. Après, forcément, il y a l'angoisse et les incertitudes liées à l'aventure, à la nouveauté, à tout ce qui, toutes les découvertes que je vais avoir à faire pendant le Vendée Globe, mais ce n'est pas une pression du résultat. Sympa, hein?
sais pas qui nous a choisi cette météo pour la descente de l'Atlantique, mais moi je suis au bout du rouleau, franchement. Hardcore, hein. J'ai du mal à arrêter de me plaindre, c'est chiant. Mais je vais trouver mon rythme, j'ai confiance. Pour le premier passage de l'équateur, 3, 2, 1. Ça me rend folle, je n'ai pas avancé de la journée. J'en peux plus. C'est comme ça. Il n'y a pas grand monde qui a le droit de manger dans son lit. Hein. Et ben moi si. Ça va pas trop jaloux. Moi j'aime bien l'océan Indien pour ses paysages, ses lumières, ses fleurs. Non, vraiment, il y a quelque chose d'unique ici. Hein? Il est pas beau le soleil! Vous me voyez tout le temps avec un bonnet, parce qu'il fait froid, mais sous le bonnet se cache un véritable problème capillaire. Clarisse aime bien filmer. Avec humour et autodérision, elle aime bien aussi se filmer. Et Clarisse n'a pas grand chose à cacher. Pour moi, c'est hyper important de partager les hauts et les bas, enfin, d'essayer de faire le plus possible un compte-rendu réaliste et honnête de ce qu'on vit en mer, parce que c'est ça qui est important. Et j'ai pas envie de montrer que le positif ou que le négatif, parce que c'est un peu les montagnes russes des émotions, la mer, donc il faut pouvoir tout montrer. Et le 5 janvier 2021, Clarisse Kremer décrocha un nouveau diplôme. Et voilà, je suis Capornia. J'ai passé le Cap Horn. C'est la fête d'abord de vente populaire, c'est trop cool. J'ai encore un peu de mal à réaliser, puis je suis pas tout à fait sortie d'affaire. Mais c'est cool, c'est la top, je suis contente. Qu'est-ce qu'il en faut de l'énergie pour faire tout ça? Je suis vraiment contente. Et c'est pas fini, mais c'est déjà pas mal. Bon, voilà. Derrière moi, là, là, il y a un petit bout de terre avec un phare. Ça s'appelle le Cap Horn. C'est incroyable. C'est hallucinant. Putain, le voir aussi près comme ça, waouh. Quelle émotion, c'est magnifique. En arriver là, c'est splendide. Grand, grand, grand moment. Ah ouais, c'est quand même quelque chose. Moi, je vous laisse apprécier. Armel Tripon est aussi capornier, mais avec une mention spéciale. De tous les concurrents qui ont franchi le Cap Horn jusqu'à maintenant, il est quasiment le seul à l'avoir vu et à l'avoir filmé. Merci Armel. Voilà, c'est la deuxième vraie journée dans l'Atlantique Sud après le passage du Cap Horn. Et après avoir quitté l'océan Pacifique, et comme vous voyez, c'est une superbe journée. Les conditions de mer sont beaucoup plus maniables, le soleil est de retour, les températures passent au-dessus des 10 degrés et ça va continuer à monter, donc voilà, et c'est une journée magnifique de navigation, voilà, un vrai bonheur d'être là. Au sortir de l'océan Pacifique, plus de 20 000 milles nautiques ont été parcourus, soit 37 000 km. Mais attention, la remontée de l'Atlantique Sud, d'abord vécue comme un soulagement, n'aura rien d'une sinécure. Assez souvent, en tout cas dans les trois dernières éditions, les courses se sont jouées par là. Contrairement à ce qu'on pense, quand on arrive, on passe les Cap Horn, on passe les Falklands, les Malouines, et là, je dis pas qu'on se croit arriver à la maison, mais non, ça n'en finit pas. La remontée le long de l'Argentine et le long du Brésil, elle n'en finit pas. Et il faut tenir, à la fois donc physiquement, psychologiquement, et puis être toujours extrêmement alerte au niveau des prises de décision. C'est la partie, pour moi, techniquement la plus délicate du Vendée Globe. Deux mois après le départ des Sables d'Olonne, le Tour du Monde est donc loin d'être joué. Le maillot jaune semble bien accroché sur les épaules de Yannick Bestaven. Mais derrière lui, trois poursuivants des plus retors se tiennent en une poignée de milles à l'affût de la moindre erreur. Et un peu plus loin, d'autres encore n'ont pas dit leur dernier mot. L'état de forme des skippers et des bateaux va aussi compter. Le Vendée Globe est un marathon, il va falloir tenir.
Et ceux qui vont tenir, c'est ceux qui vont aussi un peu penser à eux, au bonhomme et au skipper. Il n'y a pas que la machine. J'ai jamais été aussi bien préparé. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, quoi. Qu'est-ce que c'est beau! Au revoir, les albatros! Au revoir, les albatros! Yannick Bestaven ne chante pas très juste. N'empêche, en naviguant juste, il donne un très beau récital.